Bah let's go, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? New game? Je sais pas l'histoire, je sais rien. Parfois, les gens viennent des trucs avec des gens qui sont pas là. Ils ont l'impression de voir des entités qui contrôlent leurs esprits et leur vie. Je pense que c'est pas... Non, ça ressemble à des... Je suis pas le meilleur en anglais. Ils font des choses terribles. Ils peuvent vous rendre fou. Je ne crois pas aux phénomènes paranormaux, mais... Je crois que le trouble de ces gens, c'est pas bien. Je comprends rien. And they're on foot, and those who bought them to this. Commit? Ça veut dire quoi, commit? Ah! Ok, ben, on saura jamais l'histoire. on saura jamais. Il se passe quoi? Il se passe quoi? C'est quoi? C'est une vidéo genre de présentation? Pourquoi t'es pas dans le noir? Je peux pas me mettre dans le noir. J'ai pas de volet. J'ai regardé dans tous les recoins. Mais je n'ai trouvé aucune confirmation qu'il y avait une activité paranormale dans les maisons. Maintenant, je vais dans un camp de pionniers abandonné en Russie. Mais attends, putain, ça va super vite. Ils ont dit des trucs. Le corps, c'est trop rapide. J'ai même pas le temps de lire en français. Même en français, j'aurais pas le temps de lire. Et en Russie, pour investiguer sur ce qui se passe. Voir si les rumeurs sont vraies. Et trouver la preuve que tout ceci existe. Ok. Pour maintenir la tradition, je vais fermer les portes du building derrière moi. Comme ça, j'aurai pas la tentation de m'enfuir. C'est quoi cette idée de merde? Ok. Je vais rester ici quelques nuits, enregistrer et report. Mais c'est le grand JD ou quoi qu'on joue là? J'ai une vidéo, une caméra vidéo, un sac de couchage, un backpack avec des trucs et de la bouffe. Ok. Cool, ça sent bonbon là, ça a l'air cool. Ok. Ah, c'est parti là. Ok, donc t'es dans un... Donc là, il faut juste trouver des preuves qu'il y a une activité paranormale. Ça, c'est pour zoomer, ok. C'est juste ça qu'il faut faire ? On voit rien là, hein. Y a pas de lumière, non, y a pas de light. Ok. Ok. Y a pas de... Putain, j'ai déjà eu peur d'une boîte de conserve, je suis mort. Je suis foutu. J'ai eu peur d'une boîte de conserve, je suis mort. Ok. Oh, on peut péter les... Ok. Ça vient de commencer, Maud. Ok. Il y a une belle... Putain, ils sont pas fait chier pour l'extérieur. C'est vraiment une photo qu'ils ont collée. Ça se voit, genre... Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est bizarre. J'ai pas envie d'être là. Hein. J'ai pas envie d'être là du tout. Ah, bah on dirait les chiottes... C'est les chiottes du Lot, les gars. Je vous jure. Après que les comment ça s'appelle ? Après que les ouvriers, ils viennent construire les murs, là. Ils laissent les chiottes comme ça. Je vous jure. J'ai entendu de la musique. J'ai entendu de la musique, je vous promets. J'ai entendu des basses. Mais en fait... C'est quoi cette merde là? Ok, on peut pas partir par là-bas. Vas-y, mais on va ouvrir les portes, hein. C'est quoi ce bordel là? Oh, y'a un chat. Oh, il est vivant! Petit masque à gaz, yes, cool, cool. Ok, on peut rien ouvrir? Mais. Et je suis censé foutre quoi là? Ah.
I can't read what it say. I need to get my Russian English dictionary. Ok, on peut pas lire ce qu'il y a marqué. On peut se baisser, ok. Je vois ailleurs. Bah c'est pas normal ça. Y'a vraiment un truc qui vient de rouler au milieu de la pièce là. C'est quoi? Fils de pute, mais... Si c'est full screamer, je vais pas assumer hein. Si c'est full screamer, je vais vraiment pas assumer. Y'a, on peut rien faire en plus. Bruit de corbeau et tout. Ok, je devrais chercher des bougies, il va bientôt faire nuit. Mais je les trouve, je les chie d'où mes bougies? Y'a rien du tout. Oh. Oh putain, je veux un caméscope. Hold the quoi? The middle mouse? Quoi, j'ai rien compris? Je sais pas ce que ça veut dire ce qu'il y avait marqué. Comment je me barre de cette vue là? C'est trop stressant, je veux pas garder ça. Comment j'enlève mon truc s'il vous plaît? Je veux pas garder ça. Ok, F. Un truc pour voir la nuit. Y'a pas des bougies là? Il voulait des bougies l'autre. Forcément un truc dans les chiottes que je n'ai pas vu. Ah. Ok. Y'a une légende. Nanana, j'ai la flemme. Oh non, putain, j'ai failli me faire de la traduction, là. Un orphanage, c'est quoi? C'est un truc d'orphelin, genre? Un camp d'orphelin? Je pense que c'est ça, un orphelinat près du camp. Et il vivait avec des meufs bizarres qui leur faisaient peur. Ah non, qui avaient peur de l'eau. Elles se lavaient pas et n'allaient pas à la rivière. Un jour, la plus vieille a décidé de se foutre de sa gueule. Merde, j'ai quitté le jeu. Un camp d'orphelins. Non, c'est compris, c'est pas grave. J'ai rappelé plus comment on disait, j'ai vu camp. Après, attends. Merde, nanana, mais ils ont eu peur du pyjama, ils sont morts, tout le monde est mort. Après, il y a leurs esprits qui sont apparus dans la salle de bain à la pleine lune. Ok, yes. J'ai fait une traduction assez rapide. Vous en conviendrez. Je vois pas de bougies et d'endroits avec lesquels je puisse interagir. Ah mais peut-être que là ça va me donner la vue. Ok, attends, ça va être ça. C'est quoi ça? Ok, on peut pas ramasser. Et ça? Une photo, tout ce qu'on aime. Mais mec, elles sont où ces putains de bougies? Une poupée russe. Ok. Je vois rien qui s'apparente à de la... Ah, de la bougie, là. Une étoile de mer, des AirPods. Ou c'est un cadeau de Kinder Surprise, j'en sais rien. Là, il y a air. Les gars, je suis aveugle ou c'est comment? Vous l'avez vu, le truc? Oh, putain, ok. C'est grâce au chat, ça. Il y a une photo de... Ah, bah, ça doit être les gens de l'orphelinat, genre. Ok. Et j'en fous quoi de mes bougies? Que je sais même pas comment je les trouve. J'essaie toutes les touches, voir s'il y a une bougie qui sort. Bon, y a pas de bougie, je sais pas quoi faire. Putain, l'ambiance elle me met pas bien du tout, genre. C'est quoi backseat? Backseat c'est aider quand on n'a pas demandé. Mais moi là j'ai demandé là. Need to find lighter or match. Matches. Je sais pas comment on dit. Donc attends, il me faut soit un briquet, soit des allumettes. Le fusible est foutu. Y a pas de lumière dans le building, ok. Des allumettes, je les aurais vues en vrai les allumettes si on avait passé les allumettes là.
peux interagir nulle part. Putain, je sens que... Attends, en vrai, faut que je vais passer partout. Il va y avoir un truc qui va me faire sursauter. Lui, il a allumé ses clopes avec ça. Oh, let's go. Hop. Oui, le menu des commandes, c'est pas con, ça. Ah, bah d'accord, il n'y a pas de commande, en fait. J'ai envie de rester dans les chiottes. Mais là, il y a mes bougies, là. Attends, je vais les éclairer. Can light the candle. Mais vas-y, vas-y. Light-les. Ok, let's go. Tout ça pour ça, là. No, I can spread out my sleeping bag. Je suis un grand malade, hein. Ok. Là, je fous mon sac de couchage. Maintenant, je vais me préparer pour la nuit. Donc là, le truc, c'est on dort, on va se faire réveiller dans la nuit par des trucs paranormaux, il va avoir les portes ouvertes et tout. Cool, cool. Première nuit. Merci Enzo, merci beaucoup pour le prime. Bonjour au meilleur streamer Link à Denis. J'ai plus ma lampe. J'ai plus ma lampe de vision nocturne. Oh non, sacre bleu, donne-moi ma... Elle est où ma caméra? Je peux plus allumer la vision nocturne, les gars. Je sais pas où elle est. J'ai plus de vision nocturne. Merci Voxera pour le prime. Il faut que j'avance un peu, il va dire ouais, oh, on voit pas. La porte elle est fermée, pourquoi? Oh non. Pourquoi j'ai pas de lumière pour voir dans la nuit? Je vois rien. Magla, je vois rien du tout. Comment on met la lumière? Il y a Alpha qui est en train de se battre avec Battlefield 2042 visiblement. Merci Francis pour le prime, merci beaucoup. C'est gentil. T'es Nick Talope. Mais non, je suis pas Nick Talope. Je savais bien que t'étais une salope. Oh, et j'y vais et merde. Je vois pas. Allô? Si vous avez pas la rêve, c'est pas de ma faute, hein. Rends-moi ma cam. Je vais aller voir les chiottes d'abord, ça va me donner du courage. Allez. Et j'ai des frissons partout, j'ai horreur de ça, des jeux d'horreur déjà j'aime pas, alors tout seul laisse tomber. Là il va y avoir les portes ouvertes. Ah non. Ça y était ça tout à l'heure? J'y crois pas, hein. Je vais voir un truc dans le miroir. Il y a un lapin mort. Non, je vais avoir peur. Faire quoi? Il y a rien. Ça, c'était pas là, ça. Le lapin crevé, il était là, lui. On peut pas agir. Ta mère, lapin. Oh non, 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 c'était... Non, putain, c'est pas possible. J'ai claqué ma souris. Y'a la trace de ma souris sur mon tapis. Attends. Y'a l'imprimé de ma souris sur le tapis. Non mais putain. Oh et merde, ça toque, je vais ouvrir. C'est bon, je vais leur montrer, on n'a pas peur. Y'a quelqu'un? T'es derrière quelle porte? C'est bon, je veux quoi de plus? Il veut quoi de plus mon bonhomme? Là, le grand JD, il se serait contenté de ça, il aurait fait une vidéo, il serait parti.
quoi ça? Ok, ça y était déjà. Peut-être un truc maintenant dans la salle de bain. Mais il est où? C'est quoi? C'est le chat? Oh, une trousse de soins. Je la veux. Ok, bon, il y a plein de gens. Et il y a un gars au milieu, il est grisé. Ça se trouve, c'est lui qui hante les lieux, j'en sais rien. Faire quoi? C'est bon, on a eu une preuve, là. Oh, putain. Y'a même pas de conserve. Allez, on redort. Allez, s'il vous plaît. Il faut être malade, hein, pour faire ça. Genre, le grand JD, il fait vraiment ça, pour de vrai. Faut être fou, sans déconner, hein. Tech, je prends, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est le dictionnaire pour traduire le livre. Le grand JD, dites-vous, il fait ça, premier degré. Il vient, il met son petit truc, là, et il attend. Il attend d'être hanté. Faut être chelou, quand même. Tiens, je vais aller traduire le journal. Il était où, déjà? Je sais plus où il était. C'était par là, sur le mur, c'était ça. Mais mec, il lui faut quoi de plus comme preuve? Ok. En 1958, Towards the End of the Summer, je sais pas si c'est un peu avant ou un peu après, on va dire que c'est... Move toward. Un peu avant la fin de l'été, j'en sais rien. Des parents appelaient le camp pour savoir si tout se passait bien. Quand ils. Enfin, avec leurs enfants. Ni personne n'a répondu. Quand ils sont arrivés au camp, ils n'ont trouvé personne. Seulement des choses abandonnées et du bordel. Tous les locaux ont aidé dans les recherches des enfants disparus, mais en vain. Putain, faut arrêter, à chaque fois que je fais échappe, ça me quitte le jeu. Y'a quelqu'un? On a disparu, c'est cool. Putain, mais on peut rien faire! Oh non. Qui a fermé la porte? Oh non, non, non. Oh merde. Pour ouvrir un truc. Je suis enfermé. Putain. Mais oui, vous avez raison, il n'y a plus de lapin. Oh non, c'est trop glauque. J'ai des frissons dans tout le corps. Ça me met pas à l'aise du tout. Allez, lapin, c'est pas drôle. Putain, je ne sais que faire, je vais l'assommer à coups d'extincteur. Je peux rien faire, les gars. What ta mère la... Ça sonne. Il est où le bigot, là? Et tout est fermé, sacre bleu. Je vois pas le téléphone. Je vois pas le téléphone. Oh mais tiens, tout c'est ouvert. Ok. Hey, l'orpheline, tu fais quoi? Vas-y. Oh, mais putain, c'est horrible, les screamers, j'ai horreur de ça. Non, faut qu'ils... C'est trop. C'est trop, les screamers, je déteste cette merde. Mais j'ai... Les gars, je vous jure, j'ai full frisson. Je sais pas si vous allez voir, je vous promets, je vous mens pas. Genre, je suis full frisson, j'ai peur. Le lendemain... Comment je me suis retrouvé là, putain. J'ai besoin de trouver ma caméra. Je peux pas lire ça. Ok, il me faut moi encore mon truc. Où elle a posé ma caméra, l'autre pute? Oh mais c'est la même maison. Oh. Ok. Mes vidéos caméra. Ah bah c'est là où je me suis évanoui.
Donne-moi tout là. Oh, attends, elle m'a écrit un truc. Elle m'a écrit un truc en russe. Elle, ça va être un truc genre barre-toi de chez moi. Tu n'es pas le bienvenu ici. Yes, cool, cool. Hop. Allez, on prend ça, on prend ça. Et là, c'est le moment où tous les gens normaux seraient rentrés chez eux. Hein. Tous les gens normaux du monde entier seraient rentrés chez eux, on est d'accord avec ça? Après, je panique, mais je vais être nul, là, ça va. Comment ça, ça va? Putain, j'ai niqué mon tapis de souris, il y a vraiment la trace de ma souris ancrée dedans. Il y a un bruit de ronflement, là. Il y a un bruit de ronflement, je vous jure. Attends, je vais lire le truc là-bas. Putain, ça a été bien enlevé, ça. Il y a un bordel qui chante. Tard dans la nuit, quand tu tombes endormi. Pas besoin de plaisir. De quoi? No need for fun and no need for a fool. Fool, c'est quoi? C'est une blague, genre? Twitter, tu... Ah non, c'est pas ça. Fool, c'est pas un connard, genre? You're a fool. Ça me dit quelque chose, ça. C'est quoi, fool? Un fou? Pas besoin d'être fun, pas besoin d'être fou? Ok. And... quand les cloches sont vides. Et quoi? And the bells are empty. Les cloches sont vides, c'est ça? Dire quoi? Et les yeux pleins de bitterness. Je comprends rien, les gars. Bitterness. Je sais pas ce que ça veut dire. Là, on est à la limite de mon vocabulaire, vraiment. C'est imbécile, fool. Ok. Ah, t'as pas mis ton casque à l'envers? J'ai l'impression que t'entends pas les sons dans le bon sens. Non, je crois pas. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ah, merci, ok, vous êtes là, vous, putain. Ah, c'est pour ça, les bières bitter, je sais pas quoi, c'est des bières amères. Ok, bon à savoir ça. Le fou dessine. C'est assez, c'est assez. Poison de Kurt and the King, je comprends rien. Il empoisonne les gens, il y a un fou, il a un cœur triste. Le plan est de pas échouer. Le fou ne sera plus jamais cool avec toi. J'ai rien compris. On dirait genre un petit roman écrit par quelqu'un d'un peu taré. Non, pas un roman, genre une petite... je sais plus comment on dit. J'en perds mon latin, c'est bon, je me chie dessus. Laissez-moi tranquille. Faut faire quoi maintenant que j'ai ça? Il est où le lapin? Ça, on peut l'ouvrir ou pas? On doit pouvoir maintenant, ouais. Faut être complètement barjo pour rester là-dedans. Mais c'est quoi, c'est un cadavre? C'est pas humain, ça, c'est un demi-cochon ou quoi? Je pense. Ah, ça met à l'aise en tout cas. Bah c'est bon, on a vu, hein, on a vu la room, on peut peut-être partir. Un cadavre de cochon, une trace de main ensanglantée, yes, yes. Cool, une trace de pied ensanglantée aussi. Ah merde, attends, on voit où vont les pieds ou pas? Oh bordel de merde. J'ai pas fini de regarder. Ok, cool, cool, ça a rampé dans la vente. Pourquoi j'ai pas fini de regarder? Si, si, c'est bon, on a fini là. Petit journal, on peut pas le lire. Ça, on peut pas le lire. On peut rien ramasser. Ah, y'a ça. Non. Pourquoi il me dit que j'ai pas fini de regarder? Ah. Le directeur du camp a disparu comme le reste des travailleurs. Pardon. Maria avait auparavant pris soin des enfants dans un orphelinat de 1944 à 1950. Elle était, je sais pas,
Elle était quelqu'un de prévenant, j'en sais rien, qui a dévoué tout son être à son travail. Je tente un truc. La discipline n'était pas... Ah non, était le plus important pour elle. Les parents... De quoi ? Avec entrusted their child to her ? Genre leur donner la... Untrust, ça ressemble à confiance, genre. Bon, en gros, ils lui faisaient confiance pour s'occuper de leur gamin, quoi. Lui faisait confiance, ouais, on va dire ça. Ok, ça met dans un bon délire. Je pense que je peux me barrer, là, c'est bon. Et putain, c'est pas possible, y'a quoi à voir ici ? Y'a une dépouille. T'as pas... C'est quoi qui comprend pas, mon perso ? Bien sûr qu'il faut partir, là, faut pas rester et découvrir l'endroit. Complètement, il est ravagé, mon pote. Le grand JD, il est totalement barge. Oh, on peut passer par là. Ok, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Merci à un cadavre pour le savoir-faire, Artiomos, c'est gentil. Merci mille fois. Mais... Ok, j'ai pris un carton. Avec dedans, je crois, il y a les fusibles. Ok, faut que j'emmène la boîte là-bas. What ? Oh, ta mère, la pute ! Non, mais les screamers, c'est vraiment l'horreur facile. Ça me fait peur. Allez, c'est bon, on pose cette merde, là. Waouh, mais putain, les gars, mes tétons, c'est du pur granit. Ils sont durs comme jamais. Non, c'est trop. Je suis terrifié. J'ai vraiment peur. Ça, on va se foutre là-haut, là. Allez, mets-moi la lumière et vite. On peut pas faire. Turn on the light. C'est où ? Beau. C'est où the light ? Merci de ce deal, c'est gentil. Merci pour le sub, bienvenue. Turn on the light. Il y a un interrupteur quelque part ? Ah oui, là. Il se fout de ma gueule ou quoi, là ? Il y a un truc que j'ai pas vu ? Merci Clémy pour le prime. Merci beaucoup. Je comprends pas, là. Let's go, troisième mois. Ok, mais ça, on l'a déjà vu, je crois, en fait. Je suis trop con. Comment on met la lumière ? Faut que je mette la lumière dans les chiottes où il y a la poupée bizarre qui a rush, là. Putain, mais arrêtez les screamers ! Non, c'est trop... On peut pas mettre la lumière, on peut pas, y a pas d'interrupteur fonctionnel dans ce truc de merde. J'ai peur, putain. Merci beaucoup, Martin pour le... Martin Matin, pardon, pour le prime. Je suis pas bien, j'ai shooté mon calpier à l'autre bout du truc. Je suis désolé. C'est ma glace, je t'en veux. C'est où qu'on met les lumières? C'est bon, j'en peux déjà plus. M10 de turn on les lights, il n'y a pas de light. Merci Lola pour le subwoofer à Titienne, vous êtes gentil, merci beaucoup. On peut pas les turn on les lights. Ça, on peut rien faire. Ça, je peux rien faire. Je comprends pas où je turn up. Où je turn up, pardon. Les ampoules sont dans le carton. Oh là là, ok, je suis con. Ah ouais, ben regarde, on peut rien en faire des ampoules. Non, il doit avoir autre chose, là. Pourquoi il prend pas les ampoules ? C'est vrai qu'il manque les ampoules de partout. Mon gars, il a pas l'air décidé à ramasser, là. Ouais, c'est Just Lola qui te l'a offert, Titiane. Je fais comment, les gars, là ? Bon, bah, ça veut pas, hein. Vas-y, bah, je vais rusher au prochain screamer. Pour moi, il sera par là. On l'a vu rentrer dedans. Ok, pas de screamer. Magla, faut faire quoi maintenant ? Je suis terrorisé, j'ai des frissons qui me parcourent tout le corps. Je sais pas ce qu'il faut faire. Faut peut-être un interrupteur pour qu'il me dise « Oh non, il faut mettre des ampoules !» Y'a plus le port. Les gars, je peux pas mettre la lumière, je peux rien faire. Tu dois allumer. Bah oui, il a dit « Turn up !» « Turn up the light, turn the light on » ou je sais pas quoi, là. Oh. Oui, c'est bon.
C'est bon, j'ai turn on. Oh, une boîte à musique. Cool ça. Je suis pas bien du tout, je sais pas où aller. On va bien les allumer. Mais elle est où la truc là? Putain, elle est là-dedans. Elle est là au fond. Pourquoi elle se coupe la musique? Tension est pas bien répartie? Bah, je sais pas. Moi, pour moi, la musique, elle est vers là-bas. Pour vous, elle est où? T'as du mal avec les sons? Ben non, mais je me demande. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un souci. Merci beaucoup, Natsu, pour le Prime, c'est gentil, merci mille fois. Mais pourquoi j'entends toutes les musiques à l'envers? Les gars, je l'entends à l'opposé. Ton casque à l'envers? Mais non, il est à l'endroit! Je comprends pas, depuis tout à l'heure, on me dit ça! Attends, si je mets dans l'autre sens, est-ce que ça va au bon endroit? Y'a plus de musique. Non, les gars, mon truc, il était dans le bon sens, hein. Je comprends pas. Je vais où, là? Putain de merde. Allez, on dort, là. Je rush, je rush. C'est bon. Oh yes. Oh cool. Putain, j'avais pas vu tout ça. Je rush. Je sais que j'ai peur, mais j'ai envie de trouver ce qu'il faut faire là. Merde à la fin. Là 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 là. Là y'a R. Attends, c'était comme ça là tout à l'heure? Oh. Je pense que oui. Je vole. Il se passe quoi? C'est pas des frites, c'est une montagne de frites. Putain, même ça, ça m'a fait peur. Merci Pata pour les 5 subs offerts, c'est adorable. Bienvenue à Petit Crayon. Lior, Pibs, Archirex et Neris. Patatos qui est presque pas loin des 500 subs offerts, ça commence à faire vraiment beaucoup là. Merci mille fois, vraiment, c'est adorable. Merci pour le soutien. Mais. Mais c'est à se demander si j'ai pas un problème avec le son, vraiment, les gars. Hein. Je comprends pas où il faut aller. Need to go to bed. Yes, parfait, allez, Oli, hop. Allez, allez, vas-y, on va dodo. Hop les. C'est bon. Oh, bon sang, bonsoir. Merci beaucoup pour les savoir faire, c'est adorable. Allez, slip, slip. C'est la nuit ou le jour là? Cool. Cool, cool. J'ai plus ma cam, elle doit être là-bas du coup. Allez, on prend ça vite. Il se passait quoi? Oui, j'ai fait une photo, je vous jure. C'est peut-être qu'elle a détecté quelque chose. Putain, et là je sais que j'avance juste pour avoir peur, m'évanouir et revenir le lendemain. Les portes elles sont refermées, mais bordel de merde! Si je vais direct au cadavre du poulet, il y a le lapin ou pas? Oh mais putain, non, j'ai horreur de ça.
Je déteste ça. Mais j'ai encore des frissons partout, j'ai horreur. Là, les gars, la boîte à musique, je l'entends derrière ce mur. Vous, c'est où ? Il m'a dit quoi, Octuan ? Oui, Arnaud. Thomas, qu'est-ce qu'il y a ? Je t'ai mis en haut-parleur. Oui, c'est un peu pour te dire que j'ai désinstallé là. Quoi ? Mais non ! J'ai désinstallé. Mais pourquoi ? Je peux pas, Arnaud, je peux pas. Non, Thomas, tu me déçois trop sur ce coup-là. Arnaud, je peux pas. J'ai désinstallé. Je sens que là, j'ai une boule, je suis énervé, je suis en colère, j'ai vraiment une boule au ventre, c'est la rage. Le jeu me transforme, Arnaud, je ne peux plus. J'arrête l'aventure après deux jours, c'est la fin de l'arc LOL pour moi. Mais non, pitié ! J'ai les jurés devant mon tête que je ne rouvrirai plus ce jeu. J'ai financièrement LOL Mario Kart. Là, Arnaud, je suis au bout du coup, j'en peux plus. Arrête Mario Kart, arrête pas LOL ! J'ai arrêté Mario Kart, là, je suis sur Podcast. On va en rediscuter. Je te laisse là-dessus, je suis très énervé. Je suis très énervé. Le fait que tu me fasses ça en pleine face, je le prends très mal. Je t'ai pas fait ça en pleine face. Tu m'as fait ça en pleine face. Je te laisse, j'ai le seum. Arnaud, moi je t'avais dit de me recommencer en décembre. Je voulais faire la préparation mentale. On a sauté l'étape de la préparation mentale. Là, je ne peux pas. J'ai pas de coup. Au revoir, Thomas. Oh non. Tout pour me mettre en colère, celui-là. Merci beaucoup, Astaroth. C'est bon, vas-y, je suis plus dans le... Tout est fermé. Y a pas de petit lapin. Y a de la musique. Je retourne là-bas, je vais avoir peur dans 3 secondes. Elle est encore là, la petite fille de merde là. Non. Allez, on dort, allez. Putain. J'ai peur. J'ai peur, mon ami me plante. Plus rien ne va. Merci beaucoup, Astaroth. Mais là, vraiment, c'est trop. C'est trop, plus rien ne va, j'ai plus d'amis. J'ai plus d'amis, on me plante le couteau en pleine face. Putain, mais faut aller où? Je sais que je vais avoir peur, je sais juste pas quand. On est là, nous, c'est vrai, Magla, merci. Ah, quelqu'un a ouvert la porte. Cool. Eh, merde, on est courageux. Allez, on y va. Oh, c'est glauque. Il y a une petite poupée. Un peu mignonne. Un petit salut, poisson, c'est mieux que rien. Merci Manon, merci beaucoup. Merci mille fois pour le sub, c'est gentil. Et bienvenue à Super Julio. J'ose pas me retourner. Ah, on pouvait aller se cacher là ? Quelqu'un va être assis ici à un moment. C'est quoi ce jeu de malheur, Magla ? Je me chie dessus, vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas ce qui se passe, ouais, merci Queen. Camion. Merci beaucoup. J'ai du respect en paillettes. Putain, mais... C'est où ? Pourquoi il y a eu un bruit ? Je repars. Je vais avoir peur en repartant. On ferme. Elle est là. Ok, c'est des chiottes. Il dure combien de temps le jeu ? Moi je suis sûr que Papouille est génial. Papouille est un peu moche.
Papouille est moche. Mais sûrement génial. Parlez bien de papouille, Arnaud. Ah, c'est bon, il est joli papouille. Mais pourquoi y'a rien? Faites-moi peur un bon coup et après on passe au lendemain là. Putain. Je me chie dessus. Oh, je speedrun. C'est bon, je prends mon courage à deux mains. Parfois, avec une bonne dose de courage, on arrive à se ressaisir et à être bien. Hop. J'y vais. Y'a rien. On y va. On regarde partout. Y'a rien du tout. On réouvre ça. On y va en pleine face. J'ai peur. On essaie de cliquer sur des trucs. Y'a rien qui est cliquable. Ok, remets la lumière et vite toi. Mais y'a rien. Y'a rien. Ça, on peut pas le prendre. Ça, on peut pas le prendre. La poupée, on peut pas la prendre. Y'a rien, qu'est-ce qu'il attend de moi le jeu? Quoi? Non, y'a quelqu'un. Et on va éteindre cette merde et vite. Ça l'attire pas ou je sais pas. C'est mes musiques pour enfants pour calmer, c'est les orphelins. Ça va les calmer. En vrai, j'ai entendu quelqu'un vers la porte d'entrée, elle va encore être là. Mais... Ah, oh de sa mère la pute. Oh mon dieu. Non là c'est trop. Non. Oh sa mère la pute. Ouah là. Non. Attends non. Là moi je joue pas à ça hein. C'est quoi cette merde là? Oh mec. Ouah mon ventre et tout. J'ai jamais aussi peur je crois. Je pense que c'est la plus grosse peur que j'ai eue de ma vie. Oh sa mère la pute. Mec alors là par contre vraiment. J'ai vraiment eu peur. Oh putain. Ah putain. Attends. J'enlève ça. J'ai froid et tout genre. Putain attendez. Oh bordel. Je veux voir le clip, ça m'intrigue trop. J'ai mis musique pour enfants pour calmer, c'est les orphelins. Ça va les calmer. En vrai, j'ai entendu quelqu'un vers la porte d'entrée, elle va encore être là. Mais... Ça va. Oh ta mère la pute! Il est bien ton jeu, Maglin. Il est top. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout mon PC il est pété genre. Mais il... C'est en plein la foulée en délire dans mon ordinateur est en délire là. Oh comment j'ai eu peur sa mère. Ok bon. Fais pas semblant de bug, c'est pas de ma faute là, ça a bugué pour de vrai. Hein. Quel humain normalement constitué va voir. Y'a un truc, je le jure, y'a un truc là, y'a une main. Oh sa mère la pute. J'ai envie d'enlever mes écouteurs pour avancer. Mec là on la voit, elle va pas nous faire peur cette fois. Fais quoi avec sa tête la sœurette là?
sens qu'elle va me... On sait qu'elle va me foncer dessus et qu'on va avoir peur. Il suffit de se concentrer. Allez. Putain, ta mère là. Non, c'est trop... Les screamers, faut vraiment arrêter. Ça me fait vraiment peur, hein. On dort. On a vu, là. C'est bon. Putain, j'ai mal carrément aux couilles tellement j'ai sursauté. Tu sautes tellement haut. Ça me fait peur. Mais ma chaise, tu sais, j'ai la chaise... La Logitech Herman Miller, elle rebondit bien. Elle a un ressort de fou. C'est pas de ma faute. Là, c'est bon. Là, n'importe qui se met en boule dans un coin et attend le lendemain matin. Genre, je sais pas pourquoi il continue à rester debout. Allez, redors. Je veux juste avoir le droit de dormir, putain. Elle va être où? Dans les chiottes, à me faire une farce encore? Grandis un peu. J'en peux plus. La justification bancale. Non, c'est à cause du ressort de la chaise. Elle était là, hein. Mais là, le mec, il se dit, je vais lui courir après, genre. Ma gueule, ça dure combien de temps, le jeu? Je vis un cauchemar. J'ose pas regarder. Ok. Y a quelqu'un? Laissez-moi dormir! Je remets la musique. Elle a coupé la musique. Ah, peut-être que c'est la musique qui l'attire. Madame, s'il vous plaît, pas le même screamer. Oh non, ça s'ouvre. Oh non, misère de misère. J'ose pas regarder. Putain, j'ai peur. Il va plus avoir le port. Elle a nettoyé. Oh, elle a traîné le port. Il y a Dark Vador. J'entends, je vous jure. J'ai pas envie d'y aller, j'ai peur, putain. La boîte n'était pas là. C'est perdu, il faut trouver, il faut savoir ce qu'il y a dedans. Ce sera intéressant de voir ce qu'il y a dedans, mais putain, pas du tout, dehors en fait. Mais moi je pourrais jamais... Comment ça, le jeu est bien? Genre, en fait, je comprends pas à quel moment tu dis c'est bien. C'est pas bien, genre. Qui prend du plaisir? Mais je suis speedrun. C'est bon, de temps en temps, il faut prendre son courage à deux mains. Je vais faire le jeu très vite. Je vais le finir en deux temps, trois mouvements. La clé, elle est forcément dans le coin. On a fait le tour de tout. Ça m'aurait pas étonné, moi, qu'elle soit là, la clé. Il va avoir un screamer. Je le savais, putain, je l'ai dit. Quoi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a cassé les ampoules là-bas. Non, mais putain, les gars, les sons, ils sont... Attendez, j'ai mis la musique là-bas, on est d'accord? J'ai mis la musique là-bas. Dans mes écouteurs, c'est à gauche. C'est là. Mais attendez, j'ai l'impression que le son du jeu est inversé. Genre là, j'ai bien L à gauche, left, et R à droite.
Right. Mais j'ai l'impression que c'est inversé dans le jeu, c'est quoi ce bordel? Inverse ton casque? Bah oui, du coup j'ai inversé mon casque, mais c'est pas logique, pourquoi vous l'auriez dans le bon sens? Ça a aucun sens que vous l'ayez dans le bon sens. J'ai dû toucher un truc en sursautant, je sais pas, ouais. Non, c'est pas ça. Alors attends, y'a un truc que j'ai fait qui va pas, genre. Je comprends pas. Je comprends pas. Si vous, pourquoi vous c'est dans le bon sens et pas moi, genre ça n'a pas de sens. Genre là j'entends au bon endroit là. Là c'est droite, oui, bah moi du coup c'est dans mon écouteur de gauche. Qu'est-ce que je vais chercher? Elle a détruit la lumière là. La pute. Elle a fermé la porte. Je souffre. On peut plus toucher. Où c'est le truc pour la boîte, les gars ? Ça, on l'a déjà vu. Mec, on a fait le tour, là. Il y a eu un truc, là. Ok. Un jour, une femme est venue au camp avec... Stuff Artoy, je sais pas ce que c'est. Avec des jouets... C'est quoi, Stuff Artoy? Je vais demander la clé, j'ai pas envie. Attends, le gars est devenu... Ah non, the guy is become to mocker, se foutait de sa gueule en gros. Parce qu'il est venu avec son lapin préféré, comme une petite fille, et il s'est foutu de sa gueule. Bon bref, ok. Même le directeur lui a demandé de cacher le lapin. Oh, putain, c'est le lapin qu'on a vu tout à l'heure, je crois. Putain, elle a été blessée par son se foutait de sa gueule et elle a étranglé tous les gens de nuit, c'est ça? Ah, c'est le lièvre. Donc c'était le petit bonhomme là. Mais putain. Quelqu'un m'a dit près de ton lit, mais c'est où? Franchement là, je... C'est quoi? Ok, on saura jamais. Pourquoi j'ai laissé la musique? Je suis vraiment trop con! Ça me fout la pression encore plus! Les gars, je vois pas le truc pour la boîte, là c'est bon, je... Ça, c'est en train d'entacher mon mental là, je suis en train de... Je suis terrorisé! T'as besoin de prendre un petit miroir. What? Attends. Et te mettre en face du grand dans le couloir. Dis à trois fois. Barefoot lady, show me my feet and I will give my shoes in return. Barefoot lady, show me my feet and I will give my shoes in return. Faut que je prenne, je me mets avec un petit miroir et je mets dans le reflet du gros truc là. Oh là là, bordel. Ça me rassurait ça aussi. Je sais pas où ils sont les miroirs. On va rentrer dans la salle de bain. Je comprenais pas ce que ça voulait dire. Où est-ce que je trouve un petit miroir? Le mec, elle veut vraiment pas me laisser rentrer. Ah mais c'est pas un miroir, c'est une vitre ça. Les gars, je sais pas où fouiller.
Je sais pas où fouiller, j'ai l'impression d'avoir fait tout le tour. Je vois pas ce que j'ai pas vu. Tu demandes pas, oui, je demande si quelqu'un sait où trouver le truc. Je suis giga chaud. Genre là, j'ai regardé partout. Bon, du coup, forcément non. Mais quelle idée de merde j'ai eu de laisser allumer la musique, je vous jure. J'aurais jamais dû faire ça, hein. Bah les ampoules, j'ai déjà essayé de les prendre tout à l'heure. Ça a pas fonctionné. Ah, ok. Faut que j'aille les remettre là où ça a pété ou dans le couloir. Je sais pas. Oh non, ils ont arrêté la musique. Ah non. Ok, on remet la lumière, ça va faire peur. Ça va s'ouvrir du coup maintenant ? Non. C'est quoi ce bruit ? C'est trop fort. What is this oh putain, il y a encore une nouvelle boîte. J'ai peur d'avoir peur. Putain, j'en ai marre là. Truc qui coule, c'est quoi? Je vais avoir peur. Oh, putain, même quand je... Non, c'est trop... Merci Chaps. Non mais là il y a un problème. Ah, putain de ta mère la pute. Non c'est trop. J'en peux plus. Je vais mourir. Je vais vraiment mourir. C'est trop là. Merci Chaps pour le sub. Non je vais crever. Laissez-moi dormir. Je veux dormir putain. Comment on fait? Donne-moi des ampoules. J'attends quoi pour aller se coucher? Non, c'est vraiment trop. Oh non, et là c'est ouvert, mais putain, j'en peux plus. Merci Yotsuko pour le prime. C'est trop dur pour moi là, c'est trop. Ma Sirgas qui respire. J'ai peur. Cool. Comment on l'ouvre cette boîte de merde? J'essaie d'entendre s'il y a des trucs. Je veux faire l'amour! Non mais putain, mais merde, vous y mettez pas aussi!
Merci Vince pour les 10 balles. Oh bordel de merde. Merci beaucoup le garon pour le sub. Non, c'est trop. Boueux. Merci beaucoup Vince. Oh là là. Pourquoi c'est fermé ? Abusé, comment je me chie dessus. Putain, tu veux voir ce qu'il y a dans la boîte? Jette là par terre, j'en sais rien, moi. Elle veut pas s'ouvrir, elle, au bout d'un moment. J'en peux plus, les gars. C'est ouvert en face. Mec, fais un tout droit. C'est trop, c'est trop. Je, vraiment, je vais crever avant la fin du jeu. Magla, t'auras ma mort sur la conscience, je le dis haut et fort. Je suis cardiaque, je pense. Je suis en train de me découvrir cardiaque, là. Merci, Ismaël, pour le sub. Alors là, vraiment, Magla, t'auras ma mort sur la conscience. Tu partiras pas sereine en sachant ce que t'as fait. Putain, comme j'aime pas ça, c'est trop grave. Donnez-moi le truc de la boîte à musique de merde et qu'on en parle plus. Sinon, je suis prêt à courir, c'est trop. C'est trop. Il y a la clé. Il y a une dame à côté de moi. Il y a une dame à côté de moi, là. Je regarde pas devant moi, je regarde par terre. Je fais un tout droit vers la boîte. Il y a forcément un screamer, là. C'est sûr. C'est sûr et certain. Merci, Alice, pour le sub. Je suis rentré à l'hôpital ce midi et ton rêve me fait du bien. Mais ça me fait plaisir, mais putain de merde. Allez, pas de screamer, s'il vous plaît, juste une seconde. Merci beaucoup Tegan pour le sub. Cher journal, aujourd'hui, c'était l'ouverture annuelle de mon camp. J'ai été préparé pour ça, je me suis préparé pour ça pour 3 ans. Cet été sera spécial pour moi. Pendant ces jours, j'ai pas eu le temps de voir. Elle va ramener les vrais gens, je sais pas où. On a 4 subs de 1900, merci beaucoup les gars. 104 subs des 2000. Je dis ça, je dis rien. Les gigaforceurs, t'es le meilleur, arrête, je suis pas le meilleur et j'ai peur. J'ai une lampe torche par contre, et ça? Oh, c'est tellement plus réconfortant. Mais qu'est-ce que je fous là? Mais attends, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai pas calculé là. Il s'est passé quoi? Pourquoi je suis dans une salle de cours? J'étais ailleurs genre. Qu'est-ce que je fais là vraiment? Des frites, c'est une montagne de frites. Merci Magla, merci. Merci, merci. Magla, j'ai jeté mon hameçon comme ça. Hop, j'ai dit à 4 subs des 1900 et j'ai fait. Et hop, j'ai tiré, paf, il y avait Magla au bout. Merci beaucoup. Merci et bienvenue aux 5 nouveaux du coup, Gastro en terre cuite. Gastro en terre cuite, what the fuck, Pikachu, Rémi, Yak et Drift. Merci beaucoup et merci Magla pour le soutien, c'est gentil. Merci mille fois. L'enfant a fait un mauvais diagnostic pour Yvan. Il a besoin d'une transplantation cardiaque. Il y a que ça qui pourra l'aider. J'ai plus la force de me battre avec le docteur. On a décidé de plus jamais le contacter. Je vais soigner mon fils moi-même, peu importe ce que ça me coûte. Putain, elle avait fait un don du cœur à son fils alors que elle-même, ça va pas bien finir. C'est logique. Ok, bon, bah, super ça. Top, top. Ah, mais putain, c'est la salle de tout à l'heure, mais en version rangée. Mais attends, mais je suis. Quand c'était en bon état? L'école? Putain, j'en ai marre d'avoir peur, vraiment. Je pèse combien? Je vois pas.
J'en peux plus, j'en peux plus. Vraiment, je n'en peux plus. Qu'est-ce qui s'est cassé encore? J'ai juste cliqué. Merci Lady pour le sub, et pour le sub étendu jusqu'en décembre, putain, merci beaucoup. T'es comme ça toi, tu fais confiance direct. Ton premier mois de sub, ça sub direct pour jusqu'à la fin de l'année. Merci beaucoup. T'as pas ton cœur cardiaque? Non, c'est Thomas qui l'a. Quoi? Les enfants dorment, je vais pas les gêner, je vais pas les réveiller en gros. Ok. Ça, on peut rien faire, c'est fermé. Là, il y a eu un bruit de verre cassé. Oh. C'était pas ouvert, ça, si? Je crois que non. Ah, quelqu'un a jeté un corbeau crevé. Cool. Bonne ambiance. Anna, il faut courir. C'est à cause du directeur. J'étais spying. Je l'espionnais. Je l'espionnais. Ah non, c'est la directrice, du coup. Je l'espionnais. Elle était en train de parler à quelqu'un par rapport à quelque chose de vraiment très, très pas bien. Il faut me faire confiance. Préviens tout le monde. On n'a pas beaucoup de temps avant... je sais pas quoi. Avant que elle se rende compte que j'ai pris ses clés. Je sais pas du tout, c'est ça. On peut le faire, aide-moi. C'est déjà trop long à mon goût, ce jeu-là. Ça fait qu'une heure, putain, je... Oh, il y a la musique. Non, c'est bon. Il c'est un screamer, on le sait. The key to the safe. La clé de la sécurité. Tu me prends pour un con. Ça sert à quoi la clé d'or? J'ai peur, putain. Ça s'ouvre ça maintenant? Non. Prends les clés, mais je les ai prises. J'espère que non, Nina. On ferait la ligne. Il y a une petite lumière, ça me rassure un peu. Je sais pas ce que je dois faire. J'ai eu les clés de quoi? De ça? Non. Faut mettre cette musique en sonnerie, vraiment pas. Elle sert à quoi la clé, les gars? Quelqu'un sait ou pas? Peut-être que mon anglais limité, closet, je me rappelle même plus ce que c'est en fait. C'est le coffre, oui, bon, on est d'accord, mais bon, je pouvais pas y aller. Je suis gêné par ça. Ah, mais d'accord, ok. J'avais pas vu que je pouvais la pousser. Voilà, toc. Merci beaucoup, Marion, c'est gentil. Merci pour les 10 mois. Un gars spécial, Jacob. Jacob, je crois que ça se dit Jacob. Ça se dit Jacob, je pense même. Comme dans Sex Education. Est venu au camp. Il n'avait pas de parents ou pas de responsable. Il s'est devenu un de mes chouchous parce qu'il était vraiment... il ressemblait beaucoup à mon fils Ivan. Je veux vraiment le voir. Jacob est un bon gars, enfin un bon garçon. Même s'il ne sait pas parler, mais il comprend tout et fait tout ce que je lui dis. Cet après-midi, je suis allé à la rencontre d'Alexis Sargi, je sais pas quoi, au shelter. C'est quoi une shelter? C'est au coffre? Non, shelter. C'est quoi un shelter, les gars? Est-ce qu'on dit une shelter box? Au refuge? Au refuge, ok. Merci, merci. Attends, c'était où? Ok, on est allé au refuge où j'avais l'habitude de travailler. Il nous a demandé de remplir Fulfill our argument tonight. Fulfill our argument tonight, je sais même pas ce que ça veut dire. Oh bordel, je suis en train d'apprendre des trucs là. Il nous a demandé de remplir à fond notre argumentaire de la soirée. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Le jour est venu. Jacques, finir leurs embrouilles. Respecter leurs engagements. Ok, ok, merci, merci. Il nous a demandé de respecter nos engagements pour ce soir. Jacob va nous aider. Attends.
va m'aider pour ça. Avant d'aller au lit, les enfants inventent des histoires d'horreur. Cool, cool, cool. Ça les distrait, ok, bah écoute, tant mieux pour eux s'ils sont tarés. I need to spray sleeping gas so that all the children can be transferred to the hospital for surgery and they return back. Mais attends, mais j'incarne la malade là. We work together avec Alexis. Ah, vas-y, à la flemme. On travaille avec Alexis, c'est une bonne nouvelle. On a un masque à gaz, il faudrait que je le mette, non, du coup. Si je vais faire dormir. Ah non, putain, il est cassé. On va faire. Envie d'y aller. Fallait pas arrêter l'école. Mais non, mais en vrai de vrai, je parle très mal anglais, mais par contre, je comprends vraiment tout, surtout à l'oral. Enfin, tout. Tu sais, du coup, il y a des mots que tu comprends pas forcément, mais t'arrives à avoir le sens global. Du coup, mon anglais, il me suffit en réalité. J'ai peur. Putain, j'ai vraiment peur. J'en peux plus. C'est écrit sur le tableau. Ah merde, j'ai pas vu. Il est où le tableau? Il y a eu un grognement là. Je suis en train de me gazer la gueule. Je suis en train de me gazer. Je vais dormir. Sommeil profond. Prends-moi ça et vite. Le journal de Maria. Le dico anglais, bah ça je le veux ça. Ah je peux pas le garder, ok. Je suis à nouveau dans le truc à bordel. On est en plein jour. Ok. Mais là il veut quoi d'autre comme preuve? Putain là il y a marqué dégage de chez moi grosse merde. On te l'a dit. On t'a dit de te barrer d'ici. Laisse l'endroit tranquille. Allez venez on écoute. Il y a une page vide dans le journal de Maria. Merde, j'ai pas eu le temps de voir ce qu'il y avait marqué. Il est où le journal de Maria? Il est là. Ok, on le prend. J'ai pris la page du journal. J'ai fait quoi? J'ai rien compris. Attends. Ah, ok, donc je leur ai laissé un mot. Je sais ce qui se passe ici. Laissez-moi vous aider. Qui êtes-vous? Ok, donc attends. Je vais me balader, je vais revenir, il y aura une réponse, tu crois ou pas? Je pense que oui. Je vais me promener. Pas de screamer, pas de screamer. On se promène juste pour qu'il réponde. Allez. Ok, il y a des trucs qui apparaissent, ça fait toujours plaisir, en tout cas niveau ambiance. Des bouteilles. Ah bah non, c'est moi, c'est chaque jour qui passe, je m'hydrate forcément. Ok, je vais aller voir s'il y a une réponse. Peut-être qu'il y en a une, hein. C'est verrouillé. Il y a quelque chose derrière. Ok. Ah non, il y a quelqu'un derrière. Il est marqué. Ok, bon, là, on peut pas revoir. Il y a une réponse ou pas? Attends, je peux peut-être le prendre et glisser sous la porte en fait. Je suis trop con, moi. Il y a quelqu'un derrière. Let's go. Ça va prendre le truc. Oh, bordel de merde. Ça se trouve, elle m'appelle au téléphone. Attendez. Tellement chelou que le son soit à l'envers. C'est le lapin. Et il est pas bon délire, le lapin, là. A plus, Grey. Il met pas bien, le petit lapin, là. Oh, bordel. Oh, il est terrifiant. On va voir s'il y a le... Il y a le mot qui va être sorti du coup, c'était juste pour me faire venir, je pense. Aïe, je me suis niqué le doigt sur mon... Wesh, attendez, regardez mon doigt. Je me suis ouvert le doigt, vraiment. Attends, je sais pas si vous allez voir. On voit pas. Je vous jure, je me suis ouvert le doigt, la vie de ma mère. Attends, putain, comment je peux vous montrer? Je fais comme les meufs qui présentent des trucs, regarde.
Je vous fais un unboxing. Mais attends, ils sont dangereux les claviers Logitech. Logitech, je les aime fort, hein, mais putain, ils m'ont transpercé le doigt, je me suis ouvert vraiment. La cause du lapin. Visiblement MDR. Mais c'est trop ça, les musiques des youtubeuses, c'est... Enfin, des youtubeuses beauté qui montent des trucs, genre... Ça fait... C'est tout le temps cette musique. Attends, comment ça... Il s'est passé quoi, là? Mais mec, il y a un problème avec ce truc. Attends, musique... Je suis sûr, je tape musique cliché youtubeuse, c'est la première. Youtubeuse beauté, je vais mettre. Youtubeuse beauté. C'est la si c'est pas la première, je me coupe une couille. Non. Putain, c'est pas elle. J'ai envie de la trouver. Si je la trouve pas, je pète les plombs. Oh, celle-là, elle marche un peu en vrai. Celle-là, en vrai, elle marche un petit peu. Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de ma coupure. Alors voilà, je me la suis fait en jouant à un jeu d'horreur. Je me suis pris le doigt contre mon clavier de la marque Logitech. Des super claviers, mais qui font pas du bien si vous sursautez un petit peu, quoi. Enfin bref, fin de la parenthèse DIY et présentation de tout ce que vous pouvez imaginer. On retourne se chier dessus. Bon. Bah cool. Toi, tu vas m'ouvrir la porte et merde. Les gars, mon PC, il fait... Le jeu, il fait bugger tout mon PC. J'ai le son, il est à l'envers. J'ai mon Elgato qui saute. J'ai rien qui va. Le petit lapin, il a couru où? Il m'a posé le mot où? Mais je suis ouvert. J'ai lu que des gens étaient morts ici. C'est toi qui as fait ça? Dis-moi. Et comment je peux t'aider? Je vais recommuniquer avec. Putain, j'ai mal au doigt, je suis transpercé! Je vais pas pouvoir finir le live, malheureusement. Je vais voir le lapin. Je vais avoir peur, je le sais, putain. Lapin. Ok, il est pas là. Je vais garder la lumière verte même si elle fait peur. Je speedrun. Ok, il y a R. Il y a R, ça se trouve il est là. Attends, il est où le lapin maintenant en fait? J'ai même pas vu. Justification bancale 2. Bah non, vous comprenez bien que je peux pas continuer le stream en étant handicapé d'un doigt. Oh. J'ai été accusé mais je n'ai rien fait. Pars d'ici. Bah non, c'est bon, t'es innocent, voilà, on peut être amis peut-être. Oh non. C'est super glauque. Tu vas avoir peur. La base du jeu, c'est quoi? C'est de mettre 200 screamers par seconde. Allez, je cours. Je vais pas avoir peur. C'était comme ça avant? C'est un bordel là. Ok. Ok, bon, y'a plus le doudou. Y a plus rien. Merci beaucoup FL pour le sub, bienvenue. Merci mille fois. Il est où le petit lapin? Mec, je peux plus rien faire. Si. Oh.
Il s'est proposé de jouer un jeu par Jean-Serge. Mais oui, je voulais te distraire, mais toi t'as choisi le pire jeu de la Terre. Regarde, j'ai failli faire 3 crises cardiaques au moins. Je me suis ouvert le doigt. Où est-ce que ça va nous emmener? Je vais mourir à la fin de ce live, pour de vrai. C'est ton nom, Jacob. Tellement d'années, mais seulement 2 mois. GG pour tout. Merci beaucoup, Juju. Merci beaucoup pour les 2 mois de soutien, c'est adorable. C'est ton nom, Jacob. Tu vis ici depuis combien d'années? Allez hop, on communique sous la porte. Ça bouge pas, ça. Quand je serai ta vie, je joue à ce que tu veux. J'aurai jamais pire que ça à te proposer. J'aurai jamais pire. C'est sûr. C'est sûr. Je vais taper pire jeu d'horreur de la Terre. Je vais me venger, Maglin. T'aurais jamais dû dire ça. Je vais taper pire jeu d'horreur de la Terre. Entre parenthèses, a déjà tué des cardiaques. Et je te sors le premier de la liste. T'as ma parole. T'as ma parole d'honneur. Tu t'en tireras pas comme ça. Y'a rien. Y'a rien du tout. Bugspec, je sais pas, moi de mon côté, tout est bugué. Kabul, c'est un enfer. Et dire que Magla, elle attend qu'une seule chose, c'est que tu coupes pour aller voir Gotaga sur Battlefield. C'est horrible. C'est horrible. Je vais la prendre en otage le plus longtemps possible. Non, c'est pas vrai, j'ai envie de finir ce truc le plus vite possible. Merci beaucoup, Ekiné. Ou Ekini, je sais pas comment on dit. Oh, y'a personne. Oui, ici je peux communiquer avec mes amis. On garde l'endroit parce que c'est notre maison. Beaucoup de gens viennent juste pour péter nos trucs. Mais mes amis m'aident à repousser les étrangers. J'ai peur que quelqu'un vienne me voir. Quoi? Il y a une fin de cette semaine où il s'y mit. Ah, j'ai peur que quelqu'un me voit. T'as mis ça, ça Olivia. Ah ok. En gros il a peur que les gens ils viennent le voir après quoi. Qu'on sache qu'il est là et qu'ils viennent le voir. Mais c'est bon, on peut le laisser. Peut-être. Putain. C'est un enfer sérieux. Hop là, je vais être là, je vais lui dire ah mais non moi je peux te voir. Tu t'arrêtes comme tout. Et il est là le lapin. Ah c'est un autre lapin peut-être. Qu'est-ce que j'ai dit? Qui sont tes amis? Pourquoi ils sont ici aussi? Putain. Merci Krasix pour le prêt, merci beaucoup. J'ai mal au doigt. Tout à l'heure, le petit mot, il est sorti comme ça en attendant là ou pas? Let's go, on parle super vite. Les esprits de cet endroit. Ceux qui ont été torturés ici. La personne à qui le directeur a parlé, ils m'ont pas trouvé. Je crois que c'est à cause de ça. Ils ont empoisonné tous les résidents et le directeur. Mais qui a empoisonné? J'ai rien bité là. Attends, j'ai pas compris. Dans la nuit, quand il y avait plus de lumière, quelqu'un est venu. Ah mais putain, c'est moi qui ai gazé tout le monde avec la bombotte tout à l'heure en fait, non? Je pense que c'est ça. Oh. Bah qui reste dehors lui? Je pense que c'est ça, ok. C'est ça que j'ai vu. Je veux dire, je l'ai vu. Ah non. Tout ça a été préparé par le directeur du camp. De quoi tu parles? À quel genre de personne il parlait? Elle parlait, hop. Hop là, allez, c'est parti. On fait que papoter là. On va devenir pote avec. Il n'y a plus aucune raison qu'il vienne nous traumatiser ou nous agresser, sérieusement. L'incabien que je pense. En vrai, on s'en sort, hein. On s'en sort. Allez, sors-moi un truc, là, vite. Pff, oh putain, le roman. C'est de sa faute. J'ai vu notre directeur parler à quelqu'un dans un vieil hôpital à côté du camp. Ils ont acquiescé. Ils étaient d'accord pour dire qu'ils allaient faire le boulot le soir. Quand j'ai réalisé que c'était lié à nous, je n'ai pas pu prévenir tout le monde. Je n'ai pas vu qui d'autre était là parce que j'étais effrayé et caché. Dans la matinée, j'ai traversé le building et je n'ai trouvé personne. Alors sa sécurité n'était pas ici? Quoi? Earth safe was also not here?
Sécurité n'était pas là non plus. Je sais pas ce que ça veut dire. On va faire comme si on n'avait rien compris. J'ai pensé que le mec et son assistant avaient amené tout le monde loin et caché les corps dans le bâtiment. Je suis resté ici en vie, dans la ventilation. Et parfois j'allais dans la chambre. C'est ça en gros ? Oh là 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 là, j'en peux plus, je veux partir de là, putain. La mécanique du jeu, c'est tu trouves un truc et un screamer. Tu fais un truc et un screamer, c'est que ça. Bâtiment abandonné. Je peux y aller ? Attends, fais voir. C'est bon là, il en a pas marre qu'on parle par message comme ça ? Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et je vais vous lire Le temps des tempêtes. C'est trop bien, putain. Je peux pas le taper parce que ça fait tout bugger à cause de ce jeu de merde. Ah, il me répond par la boîte à musique, yes. C'est bon, je vais te laisser. Je pars. Ça va faire peur. Ah, Jacob a arrêté de répondre. C'est le moment d'aller à l'hôpital abandonné. Je rush. Il va y avoir un truc qui me fait peur. C'est pas grave. Je m'y attends. J'ai pas peur. On va à l'hôpital abandonné. Allez. J'ai pas peur. Tellement que je suis à votre musique, mais vraiment, mais ça fait son petit effet. Je pisse le sang, les gars. Ça, c'est la faute de Magla. Hein. Et putain, il y avait encore le truc du train de hype en dessous. Sur cette scène. Faut vraiment que je relogue dessus. Attends. Propriété. Contrôle C. Ok, j'essaie juste de remettre à jour le train de live, les gars. Faut que je me reconnecte sur le site. Laissez-moi une toute petite seconde. C'est frustrant de pas avoir le petit train en bas là. C'était bien, c'était mieux avant. J'ai l'impression que ça marche plus. Ok, hype train. Ah, login, c'est bon, c'est pour ça. Il faut que je me relogue parce que du coup j'ai changé mes mots de passe. Et normalement, le train de live va fonctionner. Ok, et là, fais voir si ça bug encore. Ok, c'est bon, le train de live est réparé. Mais il mange sa main. Mais c'est pas de ma faute, je... Tu m'as ouvert le doigt, Magla. T'es responsable. Hein. Là, pour moi, c'est toi. Hein. Normalement, tout est réparé, tout est bon. Putain, mais il est pas con, lui, d'éteindre les bougies. Je suis dans un hôpital abandonné maintenant, bah tout va bien. Mec, qu'est-ce que je fais là, sérieux? Il est dégénéré, votre pote, là. Ok, c'est fermé partout. Bah c'est bon, c'est fermé, on part. On peut peut-être y aller, hein. Je viens d'ici, j'ai besoin de trouver des preuves. Mais mec, t'as eu 1 milliard de preuves, on a écrit dans ton truc. On a écrit dans ton sur un papier, genre. Il y a TPMP, dépêche de terminer le jeu, je fais de mon mieux, mais j'ai peur. Merci Elixir pour le vrai. Magla, elle en prend plein la gueule alors qu'elle a rien demandé. Alors là, crois-moi qu'elle a demandé, Magla. Mais je vois pas ce qu'il faut voir là. Hey yes. La taille de la paire de couilles du mec, hein. J'irai jamais jusque là. Il a des... Enfin bon bref. Il a des couronnées, c'est tombé, je serai encore en boule à l'entrée moi. Mais putain, y'a rien. T'as proposé de jouer honteux, c'est vrai. Magla, pardonne-moi. Même si tu m'as ouvert le doigt, je t'en veux pas. Alors que je sais que c'était intentionnel de ta part. Mais par contre... Oh, aidez-moi un petit peu, les amis, s'il vous plaît. Y'a plein de bruit là. Je ne comprends pas où aller. Team pâte au ketchup, putain, le petit pâte au ketchup, en vrai, c'est bon de temps en temps. Y'a quelqu'un? Je suis à un autre endroit là.
1946, après la guerre. Des centaines d'enfants ont fini dans des shelters. J'ai déjà oublié ce que c'était. Il y a un truc qui se passe autour de moi, là. Hein. Dans l'abri. Après avoir perdu leurs parents. J'ose pas enlever, là. Parce quoi ? Ketchup Kiri, c'est bizarre, non ? Secours. Non, c'est trop, j'ai peur. Non, là, il y a trop de bruit, là. Oh non, ça s'est ouvert. Oh, bordel. Je l'ai vu dans la bande-annonce, il y a une fille qui va passer. Je vous spoil, il faut pas que je sursaute. Ok, c'était pas dans cette pièce. Et merde. J'aurais bien aimé me débarrasser de celui-là au moins. Super. Top. Mais attends, c'est quoi ce sondage ? C'est quoi ce sondage ? Mais vous êtes des enfoirés ! J'ai la pire commu de la Terre ! C'est la faute de l'Inca ou Maga ? L'Inca ! Oh, c'est vrai, je me suis proposé. Mais c'est elle qui a choisi ! Non, vous êtes des monstres ! Ne spoil pas, grand fou. C'est pas un spoil, j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu, il y a une fille qui passe à une porte. J'ai conclu que c'était là, mais bon. Le docteur de l'orphelinat a été détenu Ned pour illégal organ trafic. Il a fait du trafic pendant 6 ans illégal, ça. Il a été détenu, c'est quoi? C'est arrêté, genre? Il a été en captivité? Je sais pas ce que ça veut dire. Merci beaucoup, Aïja. Merci mille fois pour les 3 mois de sub, c'est très gentil. Merci beaucoup. Courage, BG, ce jeu n'aura pas ta peau. Ah, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression. Il a fait de la fraude. Et ça a fait des diagnostics incorrects. Et il a fait des opérations pour enlever des foies. Kidney. C'est foie? Je crois que c'est foie. Des rats. Les docteurs ne savaient rien de tout ça. Mais il a continué. Il n'a pas fait le truc. Il n'a pas utilisé le pouvoir de sa position, son lead des rats. Ok. Je sais plus ce que ça veut dire, putain. Attends. Le docteur. Il ne savait, n'était pas au courant de tout ça. Mais il ne pouvait pas continuer de garder sa position. De gérer son poste, quoi. Les orphelins. L'orphelinat a été fermé et le bâtiment a été abandonné. Ils faisaient du trafic d'organes de bébés, en fait, enfin de gamins d'orphelinat. C'est un enfoiré, celui-là. C'est un vrai petit bâtard. Ah, moi, je vous le dis. Je dismisse tout ça et je me casse. Allez, s'il vous plaît. Tu sais quoi, je suis courageux. Merde, allez, on clique sur tout, on ouvre. Les formes de porte dans le corridor, il y avait un angle. Je peux couper les chaînes? Mais comment je vais couper les chaînes? Putain, c'était là. Oh, sa mère la pute. Ok, bah c'était ça le truc du teaser. Oh là là. Ouf. Mec, j'ai des frissons partout. C'est trop. Oh là là. Cet endroit me laissera pas partir. Je dois finir ce que j'ai commencé. Il n'y a plus la porte. De merde, non, c'est trop là. La souris, attention, je l'ai balancé dans tous les sens là. J'ai pas respecté. Me fais pas rire, j'ai mal, mais j'ai dû. Alors, tu crois que je suis volontaire là? Merci Maxo pour le sub pour les 10 mois. Putain. Je vais couper les chaînes. Hop. Oh, on a plus le temps là. La madame qui fait 100 mètres devant la cam. Mais la cam a bougé, j'ai trop peur, franchement, j'en ai marre. Et là-bas, il y avait un truc aussi à couper, non? Ça, coupe. On coupe tout. Parce que non, toutes les deux ondes, toujours plus, ça, c'est abusé, là. C'est abusé. Je vais faire un sub-goal à Thomas, ou s'il y arrive, il doit faire ça tout seul. Il aime pas les jeux d'horreur, lui, non plus.
J'ai peur. Je me rattraperai même si elle vient de faire un jeu d'horreur. J'y vais. Ah ! Y a pas eu de screamer, ok. C'était pour compenser le screamer. Je sais pas si je ferai le matin. Parce qu'aujourd'hui, le shifter pro m'ennuie. Je voulais partir loin d'ici. Mais j'ai pas été payé. J'ai entendu des voix. Comme si je n'étais pas seul. Je crois avoir vu une femme. Enfin, plus une silhouette in the shadow. Dans la pénombre. Silhouette in the... Putain, j'arrive pas à remettre la feuille droite, ça me trigger, genre. Oh ! Ça me fait... un truc musculaire, genre je sais pas, ça me fait des impatiences dans le bras. J'ai besoin que la lettre soit droite. Ça m'énerve, j'arrête d'y toucher. Ok, attends, toi. Elle est allée dans le closet. J'ai pas osé la suivre. Et attends. Oui, j'ai pas osé la suivre et aller dans le closet. Je veux pas voir si c'est vrai. Peut-être que c'est juste mon imagination. Peut-être que je me suis sharpnet, c'est pas affûté, genre sharper, c'est pas un truc affûté, genre aiguisé. Mais quoi, j'ai pas compris. Ah, mon imagination qui s'est aiguisée après un verre de vodka. Ok, my bad, j'avais du mal à comprendre le truc. Je pense que c'est ça. Oh, et vas-y, la fin, on s'en fout. Ok, il y avait ah non, ok. Il y avait un autre verre à côté de son lit le matin. Bon bref, donc il a pas halluciné. Il y a bien quelqu'un chelou. Il y a un fantôme qui aime la vodka. Je rush. J'en ai plus rien à foutre. C'est bon. Je vais pas avoir encore peur. Je vous le dis. Je regarde les murs. Voilà. Là pour le moment j'ai pas peur. Oui, entrez. Non, entrez pas. Putain de merde. Je sais que ce que je fais est mal. Mais je n'ai pas le choix. Je dois sauver mon fils Yvan. J'ai eu de la chance qu'Alexei Sergeyevich accepte de m'aider. Je ne devrais pas le laisser tomber. Personne ne doit savoir à propos de notre affaire. Je ne dois pas, je suppose. Let him down, c'est le laisser tomber. Je comprends pas la phrase, ce qu'elle vient foutre là, genre. Hey, j'ouvre ça, c'est bon, tu crois que j'ai peur, au juste, oui. Mais j'ai une scie sauteuse, allez hop. Une disqueuse. Je ne dois pas. J'ai peur. Monsieur ? Madame ? Quoi ? C'était quoi ce merdier là ? C'était quoi ça ? Oh bordel de bon sang de bonsoir de merde. Mais enfin c'est des esprits, ça peut pas me tuer ! Ça peut pas me tuer un esprit ! Juste, ça peut me faire peur. Ben voilà, on se dit qu'on n'a pas peur. Et comme ça, les poules seront bien gardées. J'ai pas le temps de le sauver. Je n'y crois pas. Ça ne peut pas arriver. C'est pas ma Vaneshka. Je le sauverai. J'ai besoin de trouver un donneur. C'est urgent. Y'a personne. Y'a une pince. Ok. Là, au moins, on peut couper quelque chose. Des gens. À quoi ça... Putain, c'est glauque, sa mère. À quoi ça me sert d'avoir un truc? J'ai déjà une disqueuse. Eh oh. Putain, je vais avoir peur. Je peux enlever mon casque 2 secondes? I must hunt, t'as dit oui, j'ai dit I must hunt. I must not... Ta disseuse a plus de batterie. Ok. Non, triche pas. Ok. Mais si je meurs, vous allez faire comment? Je regarde le sol. En vrai, c'est la meilleure technique. Comme ça, je vois pas la vérité en face. Y'a personne. Mais y'avait plus rien à ouvrir, là. Mais homme avance sans crainte. Ok. Ok, j'avance sans crainte. Goulou goulou, vrai homme, avance. Oh ta mère la pute! Oh! Oh
pute. Oh là là. Oh non non, c'est trop. Ouah. Ah non non. Oh mec. Un petit poisson, c'est mieux que rien. Merci Bowser Gamingo, merci mille fois. Oh là, faut faire un best-of de toutes les frayeurs que j'ai eues pendant ce live. Oh bordel de merde, non c'est trop. C'était quel côté? Mais non, putain, c'est trop là, franchement, ils abusent. Mes mains en briques et tout. Non là, c'est pas de ma faute. Franchement les gars, c'est trop, c'est trop. Oh là là. Ça part en best-of YouTube, ouais, je vais en faire un best-of en vrai. Oh, c'est trop, mec, c'est quoi, c'est screamer de fou. Je vais faire un best-of, les gars, je vais appeler McLaugh à me tuer, je vous jure, la vie de ma mère, hein. On arrive à une porte, mais elle est pas ouvrable. Il y a quelqu'un derrière moi, je sens un truc, là. Je sens une présence. On est enfermé avec une dame. C'est... Il y a quelqu'un là. Oh non. Oh l'abus. J'ai... Magla a failli me tuer. Entre parenthèses, couteau dans le cœur. Mais putain! J'en ai marre. Non, c'est trop, c'est trop. Il y a tous les trucs. Il y a un screamer toutes les secondes. C'est trop cette merde. Mec, je suis terrorisé. Oh putain, non, mais ce frère, c'est trop. Ils y font quoi? Arrêtez. Arrête, non, c'est. Toujours plus aller où ma souris. Je sais pas où est ma souris. Elle est là-bas, elle est sous mon magnétique Xbox. Je trouvais plus ma souris, elle était sous ma magnétique Xbox. Non, attendez, là c'est trop vraiment. Un petit poisson, c'est mieux que merci rien. Bowser pour le sub offert, c'est vraiment adorable. Merci mille fois à ceux qui soutiennent et ceux qui vous voulez trop de mal, hein, vous me voulez du mal. Mec, c'est bon, là, il y a deux screamers d'affilée, ça suffit en vrai. Merci pour le petit poisson offert. Un an plus tard, après les événements de 1950, le building a été classé, reclassifié comme un hôpital, mais les budgets ont été coupés. Ça a arrêté de travailler, quoi. Ok, dac. Deux screamers en 8 secondes. En fait, ils jouent sur ça, tu sais, tu t'attends à ce qu'il n'y en ait plus. Du coup, hop, quand il y en a un nouveau, tu... Bah, tu bondis, quoi. Ok, on est toujours enfermé. Ah, il y avait un mur tout à l'heure là, non? S'il te plaît, Maga, dis-moi que c'est bientôt fini. En vrai, j'en peux plus là. Tu t'es fait enchaîner, vraiment. Maga, dis-moi, s'il te plaît. C'est bientôt fini. Ok. Ah, on est de l'autre côté de l'entrée. C'est une sortie? C'est une sortie vers le... C'est pas une sortie. Oh bordel de merde. Elle va bouger. Elle va bouger, elle va bouger. Elle va bouger, elle va bouger, elle va bouger, elle va bouger. On s'y attend. On s'y attend. Son corps n'est pas décomposé après tout ce temps. Laissez celui qui m'a trouvé ressentir la douleur d'une mère qui a perdu son enfant. J'ai maudit tous les gens qui ne m'ont pas aidé. Et je vais pas juste partir, je reviendrai. Je vais mourir. Je veux pas me retourner. Maria, je suis désolé pour toi, Maria. Je suis désolé pour toi, tous les gens sont morts là. Elle est plus là. Oh putain de merde. Non. Y'a plus Maria. Maria va me sauver. Y'a que les ossements de gens qu'elle a tués. Ils sont tous morts dans cette salle, visiblement. Putain, je peux rien faire, je peux. Elle est où?
certificat de décès. Les documents de 1958, Alexis machin. Maria, mes couilles, pauvre femme. Elle voulait sauver son enfant, mais ça l'a pas fait, en gros. Hop. Putain. What? What? T'as pas de sortie? Oh non. Ouais, ça sent pas bon, là. Y'a pas de sortie. Il me faut le couteau. Je vais planter Maria. Oh putain. Oh non, elle est de retour. Elle va me chase. Je fais quoi là? Non, c'est bon, j'ai trop peur. Merde, à la fin. Oui, après, il joue à Cold Side. Hein, Larka? C'est quoi? C'est un truc d'horreur? Sinon, non. Ou alors, je mets un sub goal ou j'en sais rien. Parce que là, vraiment, c'est pas pour moi. Je te jure, premier degré, ma glace. C'est même pas façon de parler ou quoi. J'ai horreur des jeux d'horreur, mais à un point abusé. Je suis terrifié. Vraiment. Bah, de toute façon, tu l'as bien vu. On peut partir maintenant ou pas? Elle est encore là, la dame, ou pas? Oh, bon sang. Mais je suis dans le... Je regarde pas trop, je regarde. Oh non, non, mais putain, j'en ai marre des screamers! Hello, je vais me chier dessus! Je vais me chier dessus, vraiment! Ça va être que ça tout le temps, là! Y'a des bruits de pas! Merci, Eclipse, sur les 2 mois! Je veux juste partir de l'hôpital! Allez, on part, on part! On part! Je vais me faire attraper par derrière. Elle va pas me laisser partir. Merci Thomas pour le host. 3 semaines plus tard. Mec, mes mains, j'en peux plus! Merci beaucoup pour le host. Mais pourquoi c'est pas fini? Retourner au camp 3 semaines plus tard. Là, ça a l'air chill l'ambiance là. Je vais voir à la porte s'il y a le petit lapin ou j'en sais un. Ça a l'air chill, je pense que j'aurais plus peur. Y'a plus de mots? Merci Mifo, Yassin pour les 22 mois et merci à Miss pour les 2 mois. Oh, j'ai envoyé un truc. Salut Jacob, tu n'as plus besoin d'être effrayé. Quoi? D'avoir peur qu'on te retrouve et accusé de quoi que ce soit que tu n'as pas fait. J'ai pris soin de tout. Je n'ai dit à personne que tu vivais ici avec tes amis. Protège cet endroit. Maintenant, je me casse, en gros. J'ai fini, j'ai résolu le mystère de le mystère 58. J'ai aidé Jacob à trouver la paix. Merci Gastro pour ce beau faire. On a fini. Oh bordel. C'était horrible. Vraiment, genre. Ok. Exit to main menu. Alt+F4. On a fini, les gars. Mais attendez. Ok, non, c'est bon. Ok. Ok. Bon, les amis. Merci Weka pour le point, merci beaucoup. Je vais mettre une petite... Il me faut une petite musique chill pour que je redescende un petit peu, là. Hop. Magla, est-ce que le bouffon t'a bien diverti? Est-ce que ton bouffon t'a correctement diverti? J'espère que oui. Oh, bordel. Et c'était vraiment dur, hein. Oui, on va le faire, Taco, une aventure Minecraft avec tout l'autre, c'est sûr et certain. L'utilité du couteau, pas fini, non? L'histoire, c'est juste du trafic d'organes dans un orphelinat et un gamin était accusé, mais il pouvait rien dire. Ouais. Mais attends, c'est vrai, il sert à quoi le couteau qu'on a à la fin? Le couteau, c'est une preuve? Peut-être que oui, je sais pas. Musique dans le parking ce soir, t'inquiète, il y aura personne d'art. Non. Commencez pas à me foutre la pression. Merci beaucoup, Yoff, pour les 3 mois de sub d'avance, c'est gentil. Le couteau, c'est pour Battlefield, gros. Non. Non. Oh, waouh, les gars, ça m'a fait vraiment... j'ai vraiment flippé. Je suis plein de sang. Je suis ensanglanté. Le parking froid et sombre. Franchement, ça faisait vraiment peur. Genre, vraiment, vraiment peur. Joue à LOL pour te calmer. Vous croyez que ça va me calmer de retourner sur LOL ou pas? Oui. Mec, le jeu...
Tu vas faire un soft goal et tu vas y jouer. Non. Tu l'as regardé ou pas? Pourquoi t'es pas dessus? J'ai fini. T'as fini le jeu? J'ai fini le jeu. Mais non, vraiment? Je te jure, j'ai fini le jeu. Il dure 2 heures, genre. Ah, ça se fait vite. Ça se fait vite. Il est bien? En vrai, de vrai, c'est bien. Mais par contre, je crois que j'ai jamais eu aussi peur sur un jeu, en vrai. Jure? Ah, je me suis vraiment chié dessus fort. Arrête. T'as pas entendu? Mais non. Non, j'ai pas entendu. Non, vraiment, vraiment? J'ai fait que hurler et tout. Ouais, vraiment, j'ai vraiment eu peur. Bonsoir, comment vas-tu? À me jeter par terre, genre. Et arrête, tout à l'heure. Arrête à me jeter par terre. Je te promets. Et